Donc aujourd'hui, la thématique, ça va être l'outillage et la mécanisation. Alors l'objectif, ça va être de présenter d'une manière assez désordonnée, en fait, différents matériels qui viennent de différentes fermes. Et l'idée, ça va être donc de présenter du matériel, de voir dans quel contexte il a été acquis, à quoi il sert, s'il y a eu des adaptations de fait dessus. Et donc on a essayé de réfléchir à comment ordonner les choses, en fait, et en fait, c'est relativement... on n'a pas trouvé. Donc on va présenter les choses un peu dans le désordre, ça va être à chacun de noter un peu ce qui l'intéresse. L'idée, ça, c'est qu'aujourd'hui on fasse collectivement un travail préliminaire pour compléter les fiches outils qu'on a commencé à développer sur le site. Donc si vous pouvez prendre des notes et puis nous les renvoyer après. Voilà. Et donc ce matin, donc on va présenter un certain nombre de matériel, d'itinéraires. On va continuer en début d'après-midi. Et après, en fin de journée, enfin en milieu d'après-midi, on va reprendre les itinéraires qu'on a fait hier en sous-groupe. J'espère que vous avez gardé les notes. Ouais. Et en fait, on va essayer d'intégrer dans ces itinéraires-là des outils, de la mécanisation. Donc reprendre ces itinéraires et les faire peut-être sans mécanisation, avec une mécanisation légère ou avec du gros matériel, et essayer de réfléchir. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a à disposition, qu'on a identifiés, qu'on a présentés, est-ce que c'est possible de mécaniser, de ne pas mécaniser? Qu'est-ce qu'il faut encore faire à la main? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ce qui vous permettra en fait de bien visualiser ce qui aujourd'hui est mécanisable, ce qui ne l'est pas, suivant si vous voulez vous mécaniser ou pas sur votre ferme, quoi. Parce qu'il faut être clair, il y a encore des choses, il n'y a aucun matériel pour le faire, quoi. Donc tout ce qui est semis de petites graines et compagnie, c'est encore aujourd'hui très compliqué à faire. Le repiquage, il y a quelques bonnes idées, mais on n'y est pas encore, quoi.